Pourquoi n'avez-vous pas payé vos amendes? Ouais, ça fait 50 fois qu'elle vous répond. Alex, maintenant, tu ne dis plus rien, d'accord? On attend l'avocat. Vous voulez pas me répondre? Non, on veut pas vous répondre, on connaît nos droits. Hein. Bon, bah, je vais demander à Marcel de vous interroger. Il aime bien les coriaces comme vous. Ah ouais. Dans la maison, on l'appelle Marcel le boucher. Ah bon, on a peur, tiens. Marcel! Tu es peut-être allé un peu fort, là. Mais non, ça fait 2 heures qu'il t'interroge, ils vont te faire marier toute la nuit. Non, non, pas possible, non, c'était... Ouais, c'est bon. Ben voilà, on a parlé. Allez, tu peux me l'envoyer à l'hosto. C'est qui suivant? Vous n'avez rien d'autre à me dire? Si, j'ai plein de trucs à vous dire. En fait, j'ai pas payé mes amendes depuis 3 mois, mais je comptais vraiment les payer, c'est parce que je les ai complètement oubliées. C'est tout? Non, genre, à chaque fois qu'il prend l'autoroute, il dépasse la limite de vitesse et il a grillé 3 feux rouges la semaine dernière. Bon, Alex, mais... Continuez! Et puis l'année dernière, pour la déclaration d'impôt, il a grugé au moins 20 000 francs. Allez-y! Et puis, à chaque fois qu'il conduit, il se met toujours le doigt dans le nez, ça c'est super désagréable. Ah non, ça c'est pas vrai! S'il n'y a personne pour vous amener de l'argent pour payer vos contraventions, je vais être obligé de vous garder au poste toute la nuit. Bah oui, mais là, les banques sont fermées, je peux peut-être vous apporter l'argent demain matin. Non, madame, c'est le règlement. Et c'est pas négociable? Non. En tout cas, vous portez bien l'uniforme, hein, ça vous va bien. Ouais, je sais, toutes les femmes me disent ça. Ah bon? C'est pour pas avoir à payer leur contravention. Ah non, moi c'est pas ça, moi je suis sincère, hein. Non, franchement, je trouve que vous portez bien. Écoute-moi bien, ma petite, je vais être franc avec toi. J'ai été assez longtemps dans la police pour reconnaître une prostituée quand j'en vois une. Et ça m'intéresse pas. Jean? Barbara, c'est pas vrai. Bon, je peux téléphoner, là? Bah, c'est bien que... Je peux téléphoner, j'ai le droit à un coup de fil, je le sais, quand même. Je suis au poste, je suis un peu dans le merdier, je sais pas comment... Je suis là. Ah oui, c'est vrai. Oui, je peux téléphoner, oui. Bon, laisse-le faire. Ah non, attends, attends. Laisse-le faire, s'il te plaît. Allô, maman? Oui, où est-ce qu'on est? Oh. Oui, on est au commissariat. Quelle aventure, je te jure. Bah dis donc, il n'est pas inconnu du service de police, votre mari, à ce que je vois. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'il a déjà fait 2 enfermes pour attaque à main armée. C'est pas possible. Bah si, c'est possible. Mais quand ça? En 92. Avant de nous rencontrer? Allez, j'arrive pas à tirer avec ma carte, là. Tu peux passer mais la tienne. Mais pourquoi tu m'as jamais rien dit? Quoi, robot de quoi? Mais le monsieur vient de tout me dire, là. Mais quoi? En 92, les 2 ans, l'attaque à main armée. Mais c'est quoi ces conneries, là? Attends, franchement, le nom de mon enfant, ça sert à rien. Mais j'ai rien fait, là. Je te promets, c'est quoi? Non, mais je déconne, là, c'est une blague. C'est une blague? Mais oui, ça fait à tout le monde, je t'adore celle-là. Ah ouais, c'est bien drôle. Ah, on va bien se marrer ici. Et j'en ai même une autre. Non, c'est bon, ouais, non, ça va. C'est sûr, hein? Et c'est alors que se dressant d'un seul mouvement, les peuples asservis s'élèveront contre leurs oppresseurs. Tremblez, dictateurs de tous les pays, l'aube d'une nouvelle ère est proche. Tremblez, car le peuple gronde et frémit. Ah, vous nous avez oubliés, mais nous nous souvenons de vous. Vous aurez beau vous cacher dans vos palais somptueux d'or et de brocart, vous aurez beau lâcher sur nous vos chiens de garde, vos sbires, rien ne sera stoppé. La marche victorieuse des peuples assoiffés de vengeance. C'est votre femme? Madame, mon vieux. Elle nous attend en bas, elle nous emmène au restaurant, c'est chouette, hein? Ta mère? Mille! Mille, dépêche-toi, Lulu, elle nous attend! Ah. Excuse-moi, je pourrais pas rester encore un petit peu, là? C'est pas possible. Non mais juste un petit peu, moi, sur le banc, une petite mie, quoi. Je prends... Non. Mais je prends pas de place, moi, sur le banc, c'est bon, je vous ai dit non. Mais allez-y, faites pas le perso, quoi, je vais pas y aller, là, moi, laissez-moi ici, un petit peu. Non.